That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Nous sommes ici, donc nous nous sommes levés, je viens de dormir, et après je suis sorti pour aller voir le temps et je suis rentré, donc du coup voilà, je peux pas dire je me lève, parce que techniquement je me lève pas vraiment. Alors, j'ai coupé un peu, parce que en fait j'ai fait un peu de farm, donc en gros ce que j'ai fait, alors j'ai pas vraiment trop dessiné, mais j'ai pas vraiment eu le bon temps. Il faisait trop froid et tout ça. Donc j'ai eu une petite partie en plus ici. Je suis allé là, j'ai trouvé encore un arbre vert que j'ai complètement oublié de récupérer. Je l'ai laissé en fait dans les mobile homes ici. Donc voilà, bon, il y a un arbre là qui est en train de sécher. Et après j'ai essayé de dessiner ici, mais il n'y a pas eu de beau temps. Là aussi j'ai voulu dessiner, j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas eu de beau temps. Enfin bref, c'est la merde. Mais alors je suis désolé, on est dans le noir, je suis complètement désolé. Mais alors j'ai récupéré donc ma vie et je suis allé chasser un cerf entre temps. Franchement rien de très très excitant. Donc j'ai cassé mon arc parce que il a cassé au bout d'un moment. Donc là on en est au deuxième, j'en ai crafté d'autres et j'ai crafté un autre arc. Donc il est à 100% l'autre. Et bah, en gros c'est tout. Voilà. Après j'ai fait de l'eau et maintenant j'ai les steaks du nouveau cerf. Donc voilà, en gros c'est ça. Alors ce que je veux faire maintenant qu'on est bon en fait, c'est que je veux partir. C'est que je veux faire... Alors attendez, vérifie un peu. 24 degrés, moins 24, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. On va voir si on peut pas dormir une petite heure en plus. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va pouvoir dormir une petite heure en plus. Et ce qu'on va faire en fait, on va partir donc à la forge. Donc comme je l'ai dit, maintenant on va le faire parce que ça prend trop de temps, etc. Enfin voilà, il faut quand même y aller au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que j'ai coupé, ça mettait trop de temps. Sinon c'était encore genre peut-être deux épisodes où c'est qu'il se passait pas grand chose. Donc bon, hein, c'est pas vraiment très très intéressant. Donc on va y aller. Par contre la forge est loin. Alors j'ai un plan, j'ai pensé à un plan. Alors d'abord on va prendre... 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va prendre beaucoup de métal, on va en prendre moins une vingtaine, je sais pas. 21, c'est bien. 21, c'est bien. Il nous faut du tissu. Transférer, très bien. Là, on peut faire encore un arbre. J'ai fait toutes les flèches, je sais pas si je les avais fait avant. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait tous les fûts. On prend encore un truc. Alors là, on est à 35. Oh, on est déjà à 35 kilos. C'est un peu la merde. Je vais essayer de déposer le plus possible. Alors, comment on va faire? On va déposer ça par terre. On va déposer ça par terre. Comme ça, je le verrai. On va déposer ça, tout ça là. Tout le surplus. Il faut vraiment qu'on soit vraiment très, très, très léger. Donc on a ça. Jeter tout. Ça c'est pas grave, je les mettrai plus tard. Ça on garde. Pour le dessin, ok. Les flèches on garde. Fusée on jette. Ça j'ai envie de le garder quand même. On sait jamais hein, si on a vraiment besoin. Ça on va le garder parce qu'on va aller loin. Il va falloir peut-être manger. Ça c'est bon. Ça. Ça on le garde. Au final, ouais, on garde pas mal. Bon, en tout cas, donc on a déjà le métal. On va prendre charbon. Et on va prendre du bois. Alors, nous avons 7 bûches. Donc 7, je crois que ça, le cèdre, je pense que c'est 1h30 et pas 2h. Donc en tout cas, on a au moins 10 heures de feu. Je pense que c'est bon. Avec le charbon ici, je sais plus combien c'est le charbon, je crois que c'est 1h30. Oh, et on en trouvera sûrement là-bas. Donc on est bon, on est à 38 kilos, ça va, c'est
on peut faire mieux, on peut faire mieux. On va prendre de l'eau. Enfin, quoique de l'eau, en fait, on n'en a pas vraiment besoin parce que je... On va avoir du feu, donc techniquement, on va pouvoir faire de l'eau n'importe quand. Donc on va... On va juste boire. Ouais, on va garder ça comme ça. Très très bien. Je rangerai le reste parce qu'on s'en fout. Par contre, je pense que je vais prendre le sac de couchage. Le marteau. Et oui, évidemment. Alors 86, c'est là. 100. On va prendre celui-là. Parce que le marteau, on sait pas si on va en trouver un. Donc on est déjà maintenant à 44, c'est beaucoup. Ouais. On est déjà très lent, hein. On est déjà très 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 lent. On peut toujours sprinter, mais on est quand même très très lent. Et je pense qu'on est bon. Donc, ouais. I can barely walk with this much gear. Alors, on va manger. On va manger au maximum. Enfin, on va garder beaucoup de calories en réserve, comme ça, ça sera bien. Voilà, et on va... Ça fait 3, ça fait 47 kilos. On peut plus sprinter. Ça fait 3. Ça fait beaucoup, 3 ou pas? Non, ça va. Ok, c'est parti. Bon. Alors, ce qui va se passer... Fait moins 30, putain, on a vraiment un temps de merde. C'est vraiment un temps de merde. En tout cas, c'est pas grave. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va donc aller à la zone. Donc comme j'ai dit, on va essayer. Ouais voilà, on bloque le vent. On va aller à la zone, comme j'ai dit. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir froid. Le temps qu'on y arrive, tout ça, on va avoir froid. Donc on va pas pouvoir le faire en une fois. Mais je connais la zone, donc il y a la voie de chemin de fer, donc là c'est ce qu'on est en train de suivre. Et il va y avoir des wagons. Et dans ces wagons, je pense qu'on va déployer le sac de couchage. Et on va rester au moins une heure pour se réchauffer. Et on va faire comme ça. Alors je dois dire que bon, partir quand il fait moins 30, c'est pas la meilleure des choses. Il faudrait partir quand il fait genre moins 12 et tout ça, évidemment. Mais bon, on sait pas quand il va faire moins 12, on sait pas quand il va faire meilleur, on sait, voilà, donc à la limite on part. Et puis comme j'ai dit, on a la vie à fond, etc. Et puis j'ai le sac de couchage, puis je suis équipé, j'ai l'arc si jamais on a un problème. Donc, hein, on est équipé, c'est pas comme si on y allait, on n'avait pas de plan. Tant qu'on a un plan, c'est bon. Vous voyez, déjà on arrive à faire la zone en étant protégé du vent là. On arrive quasiment à la sortie sans avoir froid. Donc ça va. C'est bien. I say I hate being cold, 'cause I really do. Donc on est reparti à l'aventure. Enfin moi j'aime, je suis... Vous inquiétez pas, j'adore là, mais... juste un peu peur. Un peu peur de comment ça se passe. Vu qu'on est lent et tout ça, j'ai juste un peu peur de ça. Mais comme j'ai dit, ça devrait bien se passer. On va perdre un peu de vie sur le passage, mais on va se réchauffer avec le sac de couchage. Et au pire, on fera un feu. Si vraiment on est dans la merde, on fera un feu de une heure, un truc comme ça. Ouais, une heure, je pense. Parce que le sac de couchage... Alors, le sac de couchage, j'ai testé. Parce que, entre-temps, je suis un peu allé pêcher, en fait. Franchement, j'ai quasiment rien rattrapé. J'ai rattrapé 4 poissons ou 5 poissons, c'est tout. Donc, vraiment, ça serait 2 heures de gameplay et on y a rien. C'est chiant. Donc, c'est pour ça que je le montre pas. C'est pour ça que je le fais pas en avance rapide. Ça sert à rien. Ah, tiens. Ça faudra le prendre quand on reviendra. Donc voilà. Et
En fin de compte, en fait, ce que j'ai fait, je suis allé avec le sac de couchage, parce que le sac de couchage, bon, il perd des pourcents à chaque fois, tout le temps. C'est extrêmement chiant ce système, hein, que même quand vous le posez par terre, il perd des pourcents. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je l'ai mis dans la cabane, où c'est que je faisais du poisson, pour dormir, en fait, dans la cabane, pendant que le feu était allumé et tout ça. Donc j'ai fait ça, ça a bien marché, c'était sympa. C'est vu qu'on est, on est protégé du vent et tout, c'est cool. Donc, ouais, c'était comique, c'était sympathique. Alors là, par contre, faut faire attention parce que cette zone est quand même extrêmement dangereuse niveau animaux. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de loups. Il y a deux trois ours, je dirais. Ils sont très mal positionnés, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés à des endroits où ils peuvent nous voir de loin. Ils peuvent faire des lignes droites sur nous. C'est très très chaud. Déjà, je suis content qu'on ait pas des loups. Ah, là-bas, je crois qu'il y a même un bâton qui est debout. Genre, vous savez, les petits bâtons à couper. Bah voilà. Bah voilà, comme je disais. On reste cool, on a des appâts. On reste cool. On a trois petits appâts. Ah, est-ce qu'il va, il va plus vite que moi? Ouais. On va faire ça. Non, c'est bon, il l'a. Très bien. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de commencer à lui tirer dessus. Ouais, c'est bien, il nous a lâché. Parce que si on commence à lui tirer dessus, si je le one-shot pas, je vais peut-être pas récupérer ma flèche. Donc, après, j'ai pas envie de courir après. Et j'ai pas envie de perdre des flèches parce que j'en ai déjà perdu quelques-unes et que je regrette. Donc voilà. On arrive. On est déjà à 21%. Vous voyez pourquoi je voulais un coin pour que on se case un peu. Donc on va se mettre là-bas. Avec de la chance, on va trouver un peu de bois et tout ça. On va pouvoir faire un feu vite fait. En plus, il fait... c'est un peu trouble. Je pense pas qu'on va pouvoir faire du feu avec la... avec la loupe. Alors après, la forge, elle est là-bas. Si... non, elle est plutôt vers là-bas, je crois. Là-bas. Dans cette direction-là, je crois bien. Je pense... Alors, on fait voir un peu s'il y a des objets. Bon, j'ai vu déjà, il y a un peu de bois. Faut regarder parce que des fois, il y a des trucs un peu par terre. Ah, voilà, c'est bien. C'est un peu pourri. 500 calories. Là, on a beaucoup, beaucoup de kilos. Voilà, on va se mettre à l'intérieur. Un petit bout de bois, comme ça, c'est facile à allumer. Voilà, très bien. Ok. Alors, on peut, yes, très bien. Donc on va faire du feu, on va faire brûler tout ce qu'on voit là, tout autour là. On va faire ça, on va se réchauffer. On va peut-être dormir une heure avec le sac de couchage. Le sac de couchage, je pense le laisser ici. Comme ça, parce que ça fait 3 kilos, c'est quand même beaucoup. Et après, on va forger tout ce qu'on doit faire. Et on reviendra ici. On prendra le sac de couchage et on part. On va faire comme ça. Je pense que c'est une bonne...
Why didn't that work? Je pense que c'est une bonne idée, ça. Parce que le sac Bouchard, il fait 3 kilos quand même. Alors après, le sac Bouchard, il est pas top top. J'ai regardé, enfin surtout dans ma difficulté, il donne à peu près 9,8 degrés. Franchement, c'est pas énorme. Parce que quand il fait du moins 30 sans vent, quand il fait moins 30 sans vent, je peux pas rester quoi. Il faut faire du feu en même temps. Donc c'est un peu ça le problème. Par contre, je viens juste de m'apercevoir que j'ai pas de bois sur moi. Oh, lucky day. On va faire ça. Non, attendez, parce qu'il faut que je me presse un peu là. Je pense qu'on va mettre ça. Voir du charbon pour augmenter la température. Est-ce que on a assez longtemps? 10 minutes. Oh, c'est chier. On prend la fusée. This pack is getting too heavy to carry. Je commence à paniquer parce qu'il faut attendre 10 minutes, c'est beaucoup. On va faire ça. J'espère que ça va être assez. Non, par contre, si on dort, oui. Donc on va poser le sac. Voilà. Et là, on dort. Pendant peut-être 3 heures. Je pense. Non, deux heures. Voilà. Ok. Ah. Zéro. Moins 12. 12, ça va. On pourrait sortir, hein. On sort avec une torche. Et ça... Ça va bien se passer, mais le problème c'est qu'on va rien y voir. On va rien y voir. Alors attendez, on va un peu... C'est quoi ça en fait? Nobody needs this anymore. Okay, coupe vent à 0%. Si on le détruit, ça fait quoi? Ça doit sûrement donner... du tissu. Ouais, du tissu. On va le mettre là. Ça. Enfin non. Excusez-moi, je range. En fait, ce qu'on va faire, je vais pas sortir maintenant. Hein. C'est... Non, ça serait suicidaire. Hein, parce que vous voyez, on voit rien du tout. Donc non, on va pas faire ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Là, c'est vraiment pas possible. Ça fait un coussin. Putain. Ça fait un coussin. C'est chiant. Je vais pas me faire un coussin. Ok. Donc on a notre charbon ici. On en a beaucoup. Je pense qu'on va en laisser un peu. Genre 3. 3. On peut pas dessiner parce que c'est visibilité de merde. On a tout notre bois. On a notre bouffe. Voilà, et ça c'est le charbon extra, ça on le prendra avec nous. On prendra le charbon extra et le bois. Ça, dans un sens, j'ai envie de le mettre à côté aussi, pour faire, faire le déco, quoi. C'est pas vraiment intéressant.
Après on est lourd parce qu'on a encore du métal sur nous, on a 4 kg de métal. Voilà. Ok, alors. On va voir un peu les alentours. Parce que du coup, ben, on va faire durer le feu, quoi. Et je pense qu'on va dormir. Parce que... je dois dire que la zone, je la connais pas extrêmement bien. Je connais pas les détails de la zone, donc la reconnaître, ça va être extrêmement dur pour moi. De reconnaître les parties des zones et tout ça. Donc non, on va pas le faire comme ça. On va juste attendre, tout simplement. Là, on pourrait couper cette branche. C'est combien pour couper cette branche? 1 heure. Avec la hache. Continue à faire du feu. Voilà, 1 heure. On va voir si on peut pas récolter un peu plus. Voilà. J'entends des corbeaux. Là, il n'y a rien. On va un peu sprinter parce qu'en fait on va dormir, on va encore dormir au moins 2 heures hein, je pense. Enfin à la limite je devrais dormir 3 heures quoi. Pour être sûr. Et puis après on se casse parce qu'on a le feu, il n'y a pas de problème, on a le feu quoi. On peut se permettre de dormir plus longtemps. Voilà. Après on va aller de l'autre côté si on a plus, on a besoin de plus de bois. Ça on a fouillé. Oui. Ok, bon pour l'instant ça se passe bien. Je pense que cet endroit ici est cool. Cet endroit ici est cool. On a notre eau, on a de la bouffe. On a encore, on a à peu près 3 heures. Ouais, je pense qu'on va dormir. 3 heures. Ça fait un peu beaucoup peut-être? Je sais pas. Non, 3 heures c'est bon. On récupère de la vie et tout, c'est bien. Ok. Oh yes. Yes. Très bien. Fait moins 15, très bien. Ah, ours, je crois là-bas. Alors nous on va devoir aller. Moins 18, là ça commence. Le vent c'est embêtant parce que si je sors avec une torche, on va pas pouvoir maintenir la torche. Ça va être très très chiant. Là-bas. J'arrive pas à reconnaître en fait. Donc ça soit de l'autre côté. Non, on va continuer sur les rails et on va aller là-bas. Par contre, je voudrais bien que le vent s'arrête parce que du coup, on va pas pouvoir sortir une torche. Ça, c'est un peu un problème.
C'est un peu un problème. Ça m'embête parce que moi je voulais continuer, vous savez, faire une chaîne de torches. Là, il fait de plus en plus froid en fait. Là je suis sur une torche, normalement elle s'éteint. Je sais pas. On peut le faire, hein. Mais ça va faire froid, quoi. Je pense qu'on va le faire. Parce que sinon, on partira jamais. J'ai pas envie de claquer tout mon bois non plus ici, quoi. C'est pas le but. De toute façon, on sera à l'abri une fois qu'on sera à la forge. Il n'y a pas de problème. Que 6, 4. Bien. Et go. Alors, un truc emmerdant. Vous allez rire. Le sens qu'on doit prendre, c'est le côté gauche. Et évidemment, le vent souffle vers la droite. Donc du coup, on va être en plein dans le vent, en face. C'est parfait, quoi. Encore une fois, le jeu sait exactement où on va. Très bien. C'est très bien. Bon, il fait quand même bien jour, ça va. Donc on voit où on va, mais... C'est vrai que là, c'est mal dosé, on va dire. On aurait dû partir la nuit. Si j'avais su qu'on allait passer beaucoup plus d'heures, en fait, ici, à cause du temps, je serais parti la nuit. Comme ça, on arrive la journée ici, début de journée. Enfin, voilà. C'est pas grave. On va se débrouiller, hein. On va bien se débrouiller. Hein. Par contre, le vent commence à souffler de plus en plus fort, hein, j'ai l'impression. Encore heureux qu'on a des bons vêtements. Oh, sure, I'm getting cold. Je sais pas si c'est là. Le vent, tu veux pas changer de direction? Tu veux pas tout simplement arrêter? Avoir de moins en moins, c'est top. Ah ouais, non, là c'est tip top, hein. Là c'est la joie, hein.
je crois que c'est une maison ça. Alors j'ai laissé le sac hein, de couchage, hein, je crois l'avoir dit. C'est parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd et on n'en a pas besoin parce qu'on va pouvoir dormir à la forge. On a mangé aussi, comme ça on n'aura pas faim, on aura juste froid. Je crois qu'on y est. Enfin, non, non, ça, je sais pas ce que c'est. C'est un arbre tombé en fait. Est-ce que je vais pouvoir pas traverser? J'ai un doute. Ah putain. Mais t'es sérieux? On refait le demi-tour et le vent il change de direction pour nous contrer encore. Mais tu fais exprès là ou... C'est pas vrai qu'on a de la bouffe sur nous. Le vent il commence à souffler très très fort. Oh la vache, on voit de moins en moins par contre. Là, il commence à faire bien nuit là. Là, on a une grotte, on dirait. On a des massettes. Ok, là, c'est le moment où on panique. Là c'est panique, ça y est. On peut. Visibilité quasi nulle. Il fait très froid. Oh la vache. Ah ouais, non mais là... Là ça m'énerve en fait. T'as l'impression que le vent triche en fait. Il va genre dans les directions que je prends. Il a l'air de souffler. C'est incroyable. Et c'est de pire en pire, je vois rien. Oh la vache. Je vois rien. Yeah.
Je crois qu'on y est. Oh là, mon dieu, de mon dieu, de mon dieu. Je crois qu'on y est. Je vois des... Putain, je distingue des ponts. Putain, par contre, faut pas tomber dans l'eau maintenant. Ouais, on entend des maisons. On voit... On distingue. Alors, je sais pas s'il y a des maisons fermées ou pas. Je me rappelle plus, je pense. Je dirais non. Mais, oh mon dieu, quoi. Je suis bloqué, c'est trop bien. C'est tout détruit. Ok, je vois où on est. Ok, va falloir se bouger, mais alors se bouger d'une force. Sinon on y est, ouais. Ouais, ça c'est le sorte de ferme. Je crois qu'ils avaient des arbres ici. Vu qu'il y a plein d'arbres morts, je pense que c'était des arbres. Avec des barrières tout autour. ...56... Oh la vache. Ça y est, on est à la forge. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on y est. Alors là, on a intérêt, mais alors de se bouger le cul. Enfin non. On va faire ça. Oh la vache. Ok, il y a du charbon. Ok, cool. Oh, vite. On a des planches. C'est bon. Oh mon dieu quoi, mais oh mon dieu. Alors, charbon, on dépose. On est déjà à 30 et quelques degrés, c'est très bien. Je pense qu'on va faire cuire ça et on va le boire. Ça nous donnera un petit bonus de chaleur. Fouh, eh ben putain. 37, c'est bien. Très bien, très bien. Pas sortir de la grange, parce que sinon on va se prendre le vent en direct. Merde. C'est bien. I'll take it. On a du bois à couper si jamais on a besoin. Encore du bois. La zone de... Oh, c'est cool ça. La zone d'effet de la... Oh yes, c'est cool. Mais je pense qu'elles sont toutes... elles sont toutes pourries.
La zone d'effet est quand même grande, donc c'est cool. Et avec tout le charbon qu'on a, on va pouvoir rester longtemps, je pense. On a ça. Là, on a un lit au-dessus et on a une lettre. Do you see the stars? Ah, c'est un backer encore. Bon, c'est pas très important. C'est pas... C'est con parce que c'est pas avec... c'est pas lié à l'histoire, quoi. Ok, là, il y a encore du charbon, il y a des caisses. On est bien. On est bien, on est bien. Voilà, ça, ça... Du cuir recyclé, du cuir, très bien. Risque d'hypothermie. Oh la vache, mais c'est un truc de malade. Juste pour rire. On a moins 20. Juste pour rire, quoi. Oh, I need to find food. Voilà, alors on va pas manger, on va garder la nourriture en fait pour dormir, je pense. Alors il n'y a pas de marteau, à noter qu'on n'a pas trouvé de marteau, donc encore heureux qu'on est venu avec notre marteau. Et c'est là que je l'ai pas. Non, ça va. Après il y a des planches à casser si on veut. Donc ça va, on est tranquille. 130, 15, 40, il faut du 150, on y arrive. Ok. Forge. On va faire ça en premier. Facile à faire. Faudrait du café. Là, on aurait dû prendre du café. Mais bon, c'est pas grave. Il ne reste que 3. Combien on a? 10 heures. Il ne reste que 3. 3 charbons, donc on va pas les utiliser. On pourrait manger ça, tu vois. On va dormir 5 heures. 6 heures. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, je pense, casser les caisses avec les outils pour aller le plus vite possible pour garder du, pour prendre du bois en fait. Alors on y va, on y va, on y va. On va faire le tour. On va casser les caisses, mais aussi on va faire le tour. On va faire le tour. On va voir si on peut pas récupérer du bois un peu partout. Par contre, je vais poser le métal. Marteau. Ça va, on a de la vie. J'ai pas déposé ma viande. Ça, on pourrait le manger. Ça pourrait nous faire tenir un peu plus longtemps. C'est cool. C'est quoi ce bruit? Ah, des cerfs. Hein, sympa. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait faire à manger. On pourrait faire à manger. Bon, par contre, il faudrait plein de bois, quoi. Il faudrait faire durer le feu très très longtemps. Intéressant, intéressant. On pourrait, à la limite, ça nous aiderait. Comme ça, ouais, on fait quelques steaks, ça va nous prendre 2 heures du feu et... enfin d'abord il faut l'enlever la viande, mais... là-bas il y a des corbeaux. Mais bon, là pour l'instant je suis en train de regarder pour du bois. Ouais. Ouais, c'est du cerf. Est-ce que j'ai dessiné?
Non, je suis pas dessiné. Est-ce que il y a des massettes? Oh merde. Ok. Est-ce que la flèche est tombée? Oh non. Pas tombée. Ah, il y en a un autre. Putain. Je perds toutes mes flèches, moi. J'ai jamais la tête, quoi. Oh la vache, t'es sérieux? Voilà, ça c'est bon. Alors, est-ce qu'on pourrait arrêter d'essayer de tester... De tester mon habilité à tirer des flèches, s'il vous plaît, pendant genre un peu, un tout petit peu de temps. Ce serait bien. Si vous étiez pas au courant, je suis très bon. On a perdu quoi? Deux flèches? Chier. Mon dieu, alors 6 heures. Il est là. Ouais. Oh la vache. C'est bien, ça va ? J'ai du mal, hein. Moi, ils nous feront plus chier. Caisse de loup. Ok, cool. Oh, I could eat anything right now. Même du loup? Je demande parce qu'on vient de tuer un loup. Ok, on se réchauffe. Alors on a combien de flèches? Ah, 13, je crois qu'on en a perdu une. Il y a un cerf là-bas. On se réchauffe un peu. On va placer les petits bois. On est à 8 heures. Alors le loup, bon, on l'a tué, enfin les deux, on les a tués, on n'avait pas vraiment besoin de les tuer, hein, mais ils sont venus, quoi, maintenant ils nous feront moins chier, voire pas du tout. Alors on va récupérer de la viande. Voilà. On va récupérer ça. Je vais me réchauffer et couper ça. Je vais aller me réchauffer, je vais couper ça. Ça va nous donner au moins 2 heures de bois, je pense. Facile. On va faire ça. On a 2 steaks en plus. Enfin, je crois peut-être un. Il est à combien? Il est à... Ok, ça c'est bien. Et celui-là aussi, il est à 100. Ok.
Il a 1 kilo, donc ça va, c'est bien. Ça va, il fait pas trop froid. Ouais, ça va. Ok, ça va. On va faire ça. Ça, on pourra faire des... de la boisson. Un peu le bordel, j'avoue. Voilà, on est à 11h, très bien. Voilà, très bien. On a 3 steaks. On a 3 steaks, on a ça. Ouais, ça va. On peut voir. 500 calories, ça on va pas le manger. Poussiéreuse, c'est bien, on va le manger. Eh ben. Voilà. Forger. Alors, faut le marteau. 2, 3. On va faire le couteau en premier. 3 heures. J'ai fait le con. Parce que je suis un abruti. J'ai perdu au moins une heure. Très bien. Putain, quel con, moi. On vient de perdre une heure. On vient de perdre au moins une heure. Donc on a un couteau. Très bien. Va falloir qu'elle dorme. On a 8 heures. On va voir, vu qu'elle est reposée. God. Eat soon. Là, ça en fait 7. C'est pas mal. Il y a un succès, je crois, pour faire tenir un feu, je sais pas combien de temps. Je pense qu'on peut, hein. Je pense que comme on est parti, là, on pourrait, hein. Ok, on a toutes les caisses aussi à détruire, hein. On a encore toutes les caisses. Hein. Alors ça... on va manger. On fait 840. Très bien. Il va falloir faire de l'eau aussi. Putain, quelle merde. On est à 9h. Ok, 30. Attends, est-ce que le cerf est là ou pas? Non. Si le cerf s'approche, je pense que je vais me le faire. On va dormir 5h. 6h, 6h. Ok, on est à 98 jours, tiens, c'est bien. Alors, forge, 6 heures encore, ok, cool. Il va nous falloir de l'eau. Alors, 1, 2, 3, je sais pas combien. Non, ça c'est pas ça, on a 6 heures, ok. Faut combien pour la machette? 4 heures la machette. Un peu juste quand même, surtout qu'on n'a pas d'eau. On va peut-être faire de l'eau en premier, faire genre 1 litre. 6 heures, ça va. Après, on a encore le charbon, mais le charbon, j'ai pas envie de l'utiliser. Ça fait 4, il va nous rester 2 heures. Non, d'abord, on va casser les caisses. On va d'abord casser les caisses, je pense. Parce que... tu vas voir s'il fait froid ou pas. Ouais, moins 25, donc on va pas pouvoir sortir et casser... casser du bois, quoi. On va faire ça. Très bien. Là, ça nous fait gagner au moins 2 heures, 3 heures, je pense.
Une heure. Oh, un coffre. Oh putain, c'était quoi, 4? 2. I never thought I'd be dying from inside. Chut, j'écoute. Chiant elle, hein. 2-0. Je crois. Ça fait quasiment un tour en fait, c'est même, ça a même dépassé le 0. Ah non, non, c'était à 5 je crois. Okay. Donne-moi un truc sympa s'il te plaît. D'accord, merci, sympa. Terrible. Hein. Ah mon dieu, mon dieu. 1h30, on va faire avec ça. On pourrait couper encore ça, mais on va pas le faire. Là on a des planches en plus. Après je crois que si on casse les planches, on va plus pouvoir monter. This pack is getting kinda heavy. Je pense. Ça serait logique, hein. Ça serait logique. Ok. On est à 7h30. Alors de 7h30 on passe à... On peut pas utiliser le feu pour l'instant. 16h30 on est à 12, ok. Et il nous reste encore ça de bois, ça c'est cool. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir crafter? Ouais, 4 heures c'est bon. Ok, très bien. Ok, c'est bien. Il fait beau. Bah, on va un peu s'avancer. Il y a du cerf là, je suis tenté de les chasser. Je suis très 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 tenté. C'est des pierres, ok. Sac. Sac vide. Oh vache. Ok, ok, reste cool. Fait chier, il m'a fait faire fuir le... Reste cool. Je sais que tu peux pas monter ici. Oh mon dieu. L'accélérant quoi. Donc il y a bien des choses hein, des fois dans les caisses. Hein. Il y a bien des choses, c'est vrai, hein. C'est comme l'histoire apparemment. J'avais pas rêvé. Hein. Faut que je regarde le succès, combien de temps c'est pour... Je le regarderai quand on fera, quand on dormira tout ça, je ferai une pause, moi je quitterai le jeu et je reviendrai. Et je veux voir pendant combien de temps il faut garder le feu en allumé. Parce qu'il y a un... Ça va, il a eu peur. Il y a un succès à faire avec ça. Merde. Oh la vache, tu fais exprès quoi. C'est quoi ça? Oh mon dieu, vite. Yes. Ok. Il fait beau quoi. Oh la flèche, elle s'est plantée dans l'arbre. Magnifique. J'ai encore perdu une flèche. Ok, il faut aller se réchauffer. Bon, il fait combien? Moins 19. On va se réchauffer, on va prendre une torche et on va prendre de la viande. Oh putain, mais elle est fatiguée. Faudrait qu'elle dorme en fait. Il va peut-être dormir une heure. I need to lay down. Il
Quelle merde. On est pressé par tout, là. On est pressé par... Il faut crafter, il faut faire ça, il faut faire ci. Après, bon, là, on craft et après, on peut partir, hein, mais... Ça va prendre trop de temps. En fait... Enfin, non. Là, il faut qu'on se remette de la vie, il faut qu'on fasse de la bouffe. Je vais prendre toute la nourriture, la viande du cerf. Et je veux le faire le plus possible. Là, on a du cerf, on a de l'eau, on a du feu. Tant qu'on arrive à garder le feu en vie, on est bon. Là, il n'y a pas de problème, on peut vivre ici, quoi. On va dormir une heure. Et après, on va aller récupérer la viande.